Depuis septembre 2022, Augustin Trapenard est à l'animation de l'émission littéraire La Grande Librairie, diffusée sur France 5. Auparavant présentée par François Brunel, celle-ci suit l'actualité littéraire avec la venue de quatre écrivains connus ou inconnus, présents chaque semaine pour présenter leur nouveau livre. Et si le programme rencontre un grand succès, il ne sera exceptionnellement pas diffusé, le mercredi 14 juin. À la place, une autre émission va faire son apparition. Il s'agit des Docs de la Grande Librairie, une nouvelle collection consacrée à de grands écrivains. Pendant 90 minutes, les téléspectateurs vont pouvoir redécouvrir la vie et les œuvres de grands écrivains à travers un documentaire inédit. Et les fans de l'émission ne vont pas être déçus puisque François Bousnel est directement à l'origine de ce nouveau document avec le réalisateur Adrien Solan. Le premier épisode est consacré à la vie de Balzac. Le premier épisode des Docs de la Grande Librairie est diffusé le mercredi 14 juin à partir de 21h sur France 5. Il sera consacré à l'écrivain Honoré de Balzac, 1799-1850, et notamment à son œuvre monumentale, La Comédie humaine. Une série de plus de 90 romans avec pas moins de 2500 personnages. Pendant toute l'émission, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir un portrait complet d'un monument de la littérature. En plus de se consacrer aux œuvres de l'écrivain français, le documentaire retrace sa vie avec, spécifiquement, son enfance difficile, son rapport particulier aux femmes ou encore sa critique de la société. Finalement, l'émission aborde ses trois objectifs en tant qu'écrivain, obtenir la richesse, la célébrité et l'amour. Un documentaire à ne pas rater, et qui devrait se consacrer à un autre écrivain célèbre dans un prochain numéro.